Comme ça, je peux pas dire. Hein. J'ai vu une émission l'autre jour, la moitié des intoxications alimentaires provient de la mauvaise conservation des aliments. Principalement au niveau des frigos domestiques. Eh oui, c'est terrible. C'est pourtant pas compliqué de mettre un petit film alimentaire, ça fait je sais pas combien de fois que je lui ai dit. C'est pénible, je t'assure. Au fait, il est où? Parti chercher une baguette. Bah, quoi faire, il y a déjà une boule. Il avait peur de manquer. C'est ridicule. Franck et moi, on mange plus de pain. Surtout de la baguette. La baguette, c'est du pain blanc, il n'y a rien de pire que le pain blanc. C'est bourré d'hydrates de carbone. Trois d'un doute. Le gigot. T'as rien contre le gigot. Ah non, non, le gigot, ça va, mais sans ail. Hein. Là, je suis allergique. Ça me donne des gouttes et je gonfle de partout. Bah, ce serait dommage d'en arriver là. T'es arrivée à quelle heure? Dans l'après-midi. J'avais un appart à faire visiter dans le coin. Je suis venue direct après. Ah mais franchement, quelle idée de faire ça un vendredi. Avec le gigot, je pensais faire des haricots, non? Dimanche, ça aurait été beaucoup mieux, hein? On est plus tranquille le dimanche. Ah, si ça posait problème, j'allais dire. Franck avait un rendez-vous en début d'après-midi, il a fallu courir, manger en soupant, les embouteillages. Ah, on pouvait repousser, on n'est pas la date près. Tu rigoles? On a toujours fêté l'anniversaire de papa le jour de son anniversaire. C'est pas maintenant qu'on va changer. Hein. En plus, tu le connais, hein, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Ouais. Ah, au fait, t'as pensé aux bougies? Oh, merde! J'en étais sûre. J'ai dit à Franck, je suis certaine qu'elle va oublier. Excuse-moi. Bon, on a fait demi-tour et on est revenu à la maison prendre celle de l'anniversaire de Léa. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, mais c'est pas grave, de toute façon, on était déjà en retard. Dans le sac, là. Bon, il y en a que six qu'on fera avec. Ça risque pas de faire un peu ridicule. On les a achetés à Euro Disney. Ouais. Léa voulait des Donald, mais il n'y en avait plus. Ben non, dommage. Bon, de toute façon, on s'en fout. Hein. Le principal, c'est qu'il y en a. Je viens d'avoir Fred. Jean-Claude a pété son écran d'ordinateur. Non. Et tu sais la meilleure? Sous prétexte qu'il s'en sert vaguement pour la société, il veut s'en faire payer un œuf sur le compte de la boîte. Non! Ah, je te jure, il y en a qui manquent pas d'air. Fred et Jean-Claude, c'est ses collègues de bureau. Parce qu'au bout du compte, qui est-ce qui va payer? Hein? Qui est-ce qui va payer? Ben... La boîte. Et la boîte, c'est qui? C'est les actionnaires. Et les actionnaires, c'est qui? C'est Bibi. Mais ça commence à nous gonfler, tout ça. Salut, Steph. Salut. Mais calme-toi, mon loulou. C'est mon pognon quand même! T'as 3% de la société! Hein? Un écran, ça va pas te faire gros! Mais je m'en fous que ça fasse gros ou pas! C'est le principe! Tu comprends le principe? T'es pas d'accord, Steph? Oh, tu sais, moi! En plus, Martine s'en fout, on lui apporte les factures, elle les regarde même pas! Elle paye! Cette conne est sous Prozac depuis 2 mois! Martine, c'est la comptable! Et tout ça pourquoi? Parce que son mec s'est cassé avec sa meilleure copine! Non! Avec Josie! Eh ouais, Josie, faut avoir faim!
Non, parce que Josie, c'est pas un top modèle. Enfin bref, résultat des courses. Martine est à chaise, et les problèmes de la boîte lui passent à 15 000. Oh, mais c'est lamentable de faire ça. Lamentable. Ah, mais t'imagines, si toutes les femmes cocues se mettaient sous Prozac, l'armée de drogués qu'on aurait... Excusez-moi. Ah non, mais je peux pas laisser les choses aller à volo comme ça, là, c'est plus possible. Vous voulez quoi avec le gigot? Haricots ou pommes de terre? J'appelle David. Il est pas au courant, ça va me foutre hors de lui. Attends, c'est peut-être pas la peine d'envenimer les choses. Allô, David? David, c'est l'actionnaire principal. C'est Franck. Franck! C'est dur en ce moment. Oh, non, mais c'est parce que je suis chez mon beau-père, là, c'est pour ça. Non, tu m'entends mieux, là? C'est le cul du monde, ici. Il est à cran. T'es chez toi? Non, 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 je te demande si tu es chez toi. Complètement surmené. Il passe ses dîners au téléphone avec ses associés, le soir, il se couche en s'endormant sur ses dossiers. Oh, c'est terrible, tu sais. J'imagine. Surtout pour toi. Ouf, moi, je me suis habituée. Hein. Et toi? J'ai toujours mon chat. Il s'endort aussi sur les dossiers, mais enfin, au moins, il ne passe pas son temps au téléphone. Non, mais je veux dire ton boulot. Oh, de ce côté-là, ça peut aller. Ouais, bah, c'est principal. Hein. Moi, je dis, quand le professionnel va, tout va. T'es pas d'accord? Oui. Il y a des moments, je me dis que... J'ai peut-être du tort d'arrêter. Le cabinet? Maintenant que Léa est grande. Tu t'ennuies? Oh non! Entre les amis, la maison, j'ai pas le temps. Puis je te l'ai pas dit. Je vais à la piscine tous les matins maintenant. C'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Mais bon, je me disais quand même qu'une petite activité parallèle, ce serait pas mal. Travailler, c'est quand même une ouverture sur les autres, sur le monde, tu vois. Et puis, comment dire? Ça occupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Franck a l'air tourmenté au téléphone. Oh, pff, c'est rien, un petit problème avec sa boîte. Oh, encore? La gestion des ressources humaines. Oh. C'est le point noir des entreprises, tu sais. Vous avez fait bonne route? Bah, comme d'habitude, hein. Une heure pour sortir de Paris, une heure au péage. Et cette nationale de merde qui n'en finit pas. Ah, bah, faudrait qu'ils se décident à faire une 4 voies, hein. C'est plus possible. Hein. Une pétition qui court. Mais les pétitions, on connaît, ça court, mais ça n'arrive jamais. Je comprends pas. En principe, le vendredi, ça roule. Oh, on n'a pas dû tomber sur le bon. Ah, je vous ai pris une baguette. J'ai pensé à toi. Je l'ai prise bien blanche, comme tu l'aimais quand tu étais petite. Franchement, fallait pas. Ça s'est rafraîchi. Papa, tu veux quoi avec le gigot? Ah. C'est vraiment dommage que la petite ne soit pas venue. Je l'ai déjà dit, elle est partie en week-end chez Babette. Quand même. Non mais ça fait des mois que c'est programmé. On n'allait pas tout chambouler au dernier moment, ça l'aurait perturbé. Il est vrai qu'un anniversaire, c'est pas facile à prévoir, ça tombe chaque année à la même date. J'ai fait un tour dans le jardin. Le pommier de Léa, c'est fou ce qu'il a poussé. Il est magnifique. Tu l'as vu? Oui, pour tout dire, je savais plus que c'était un pommier qu'on avait planté. Comment c'est toi qui l'as choisi quand tu as accouché? Ça se peut. Un pommier pour Léa, un cerisier pour Stéphanie, un poirier pour toi. La bonne poire, c'est pas la peine de la chercher. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a rien de plus beau qu'un poirier en fleurs. Manque de vol, celui-là, il n'a jamais fleuri. Ah, j'oubliais. Je vous ai pris des petits pots. Tu dis ça, changerait. Papa, tu m'as pas répondu. Tu veux quoi avec le gigot? En plus, il a fait des fruits cet été. Qui ça? Le pommier. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, ma Thérine? Ah, il n'y avait plus de place dans le frigo. Ah bon? Même dans le bac à légumes. Bah, tu vas pas vérifier quand même. C'est quoi ce truc? Bah, ton gâteau d'anniversaire. Chocolat, crème cacao, piment nappé chocolat. C'est Franck qui l'a choisi. Ah. Ça va pas? Ah si, si. Ça te plaît pas? Non mais, c'est pas ça, mais on avait dit pas de gâteau. Enfin, un anniversaire sans gâteau, c'est pas un anniversaire. Ouais, mais je vous connais, hein. Avec le gâteau, ça va être des bougies et tout le tintouin. Je te rassure, de ce côté-là, cette année, on a été très zen. Ben, les bougies, ça a un petit côté festif quand même. Quand leur nombre est inversement proportionnel à ce qu'il reste à vivre, tu trouves ça festif, toi. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Je vais voir le pommier.
c'est un peu à prendre. Non, mais faut la comprendre. Chaque année, elle se met en quatre pour tout organiser, et chaque année, tu lui sers son travail. Moi ? Tu pourrais au moins faire semblant. De quoi ? D'être heureux. Mais je suis très heureux. J'aime pas ce genre de commémoration, c'est tout. Quand tu fêtais ça avec maman, t'avais l'air heureux. C'est pas pareil. Ça faisait plaisir à ta mère. Et nous, que ça nous fasse plaisir, tu t'en tapes. Bon, ouais, je t'en prie, ne complique pas tout. Une année de plus. Mais ça n'a rien de dramatique. Ça dépend à quel âge on l'a. Bon, je fais quoi avec le gigot ? Haricot ou pas haricot ? M'en fous. Bon, et ben ce sera pâte. Ça m'angoisse. De vieillir ? Non, son gâteau. C'est pas le sien, c'est le tien maintenant. Ben justement, c'est ce qui m'angoisse. Et t'es énorme, hein, tu trouves pas ? Ça dépend, quand on aime. Ben, t'aimes les gâteaux, comment toi ? Pas vraiment, mais enfin, il paraît que ça fait anniversaire. Ben, tu comprends mieux pourquoi, j'aime pas ce genre de fête. Faudrait couper les fusains, hein. On finit par étouffer les hortensias. Mario vient la semaine prochaine. Ah bah s'il fait le même boulot que la dernière fois, ça promet. Le tapot au milieu du jardin, c'est lui aussi. David est sur le cul. Je peux te dire qu'il est pas prêt de l'avoir son écran, Jean-Claude. Ah, Paul, comment ça va? Je vous avais pas vu. Ah, ça va, ça va. Prêt à assumer une année de plus? Bien obligé. Vénard. Papa, je t'ai sorti une petite côte. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, le vin, tu touches pas, je m'en occupe. Non mais, vénard de quoi? Pardon? Non, vous dites que je suis vénard. Vénard de quoi? D'approcher, t'as fait un petit feu, c'est ça? Vous êtes comme ma fille, vous pensez que ça se fête? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Viens, on va chercher le vin. Bravo! Il m'énerve. Oh, arrête! Le seul intérêt pour lui dans cette maison, c'est de vider ma canne de ses vieilles bouteilles. Mais n'exagère pas! Chaque fois qu'il repère un objet, j'ai l'impression que c'est pour évaluer sa part d'héritage. Tu crois pas que tu pousses un peu? Je me suis toujours demandé ce qu'elle lui trouvait. Papa, c'est elle qui vit avec, pas toi! J'ai le droit de donner mon ressenti quand même. Ouais. On le connaît, ton ressenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as jamais eu une grande affection pour les hommes de Jory. Moi? Oui, toi. T'as pas le droit de dire ça. Je les ai toujours appréciés. Ah? Parfaitement. Ben, si tu le dis. Tiens, par exemple, j'aime bien ton dernier copain. Quel copain? Celui avec lequel t'es venu la dernière fois. Ah oui. Voilà. Je me souviens, on a papoté toute la journée. On a parlé fleurs, gazon. Il a l'air très sympa. Il avait. Comment ça, il avait? C'est fini? Eh oui. Excuse-moi, je ne savais pas. Moi non plus, je l'ai appris la semaine dernière. C'est dommage. Quoi? Ben, que ça soit fini. Pourquoi? Parce que j'étais casée? Ou parce que tu avais trouvé un pote avec qui parler gazon? Je regrette seulement que tu n'as pas eu le temps d'approfondir cette relation. Ça aurait pu être sympathique pour toi. Je suis assez grande pour juger de ce qui peut être sympathique ou pas pour moi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai rien dit. Quand tu penses, c'est pire que quand tu parles. Tu vas pas me faire des procès d'intention sur ce que je ne dis pas maintenant. Ton ressenti sur mes amis, je m'en fous. Et voilà. En plus de mon anniversaire, ça va être ma fête. Il y a une poussière dans cette cave. Pourrais dire à ta femme de ménage que l'y fourre son nez de temps en temps. Papa, t'entends, c'est dégueulasse. J'y vais jamais. Ben, c'est pour une raison. Et les acariens, hein? T'as pensé aux acariens? Les acariens, c'est terrible. Ça remonte par les interstices, puis une fois que ça remonte, ben, ça t'envahit toute ta maison. Non, mais je t'assure, faut lui dire de faire cette cave, hein. Ben, je lui dirai. Les acariens, c'était... Zacharia, c'est un véritable fléau, ils sont partout. J'ai vu une émission sur eux. Oh, de véritables monstres. Une horreur. Des aliens avec des pattes tout autour. Tu sais ton problème d'allergie, je suis sûre que ça vient de là. J'ai pas d'allergie. Ben moi j'en ai, je peux te dire que c'est les acariens. Un Margot 89, ça vous va?
Vous l'avez trouvé où? Planqué derrière une caisse vide. Un pas de plus et je risquais de la louper, ça aurait été con. C'est sûr. Surtout que c'est le dernier. Caro, tu peux t'occuper du pain, s'il te plaît? Oui. Faudrait juste l'aérer un peu, si vous aviez une carafe. Rayon carafe, c'est au salon. J'avais peur qu'on soit un peu juste, alors j'ai pris aussi un pommeroll au cas où. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes prévoyant. Des formations professionnelles. Dans mon boulot, si vous savez pas anticiper, vous êtes foutu. Quelle chance ils ont de vous avoir. Tu vois, moi qui me demandais pourquoi j'éternuais à chaque fois que je venais ici. Oh, attendez, c'est plus la peine de chercher. Hein. C'est dans un état, tu verrais ça. Ah oui, je sais. Je me demande vraiment à quoi ça lui sert d'avoir une femme de ménage. Bon, c'est vrai, c'est pas la fée du logis, mais papa l'aime bien. Bon, une femme de ménage, c'est pas fait pour être aimée, c'est pour nettoyer. Ah. Papote avec elle, hein, ça lui fait plaisir. Bah, s'il a envie de papoter, là, qu'à se payer un psy. C'est remboursé par la sécu, ça lui coûtera moins cher. Je vais monter le thermostat, j'ai l'impression que ça ne pue pas. Ah, moi qui me suis cassé la tête pour trouver une idée cadeau, c'est un four qu'on aurait dû acheter. À la prochaine fois. En fait, on lui offre à l'apéritif ou au dessert? Bah, comme d'habitude, au dessert avec le gâteau, non? Ah bah, à la maison, on fait ça à l'apéritif. Ah? Bah oui, c'est plus pratique. Au dessert, entre le gâteau et les miettes, c'est l'enfer. L'apéritif, c'est plus net. Plus net? Ah bah oui. Bon, bah, on lui offre à l'apéro si tu préfères. Ah non, mais moi, je préfère rien du tout, hein. C'est juste une proposition. Enfin, s'il a l'habitude au dessert, on lui offre au dessert. Hein. Enfin, on peut changer pour une fois. C'est comme tu veux. Ah mais moi je ne veux rien. Non mais si tu penses que c'est mieux à l'apéritif, on fait ça à l'apéritif. Hein. Eh ben faisons ça à l'apéritif. Ben t'as raison, c'est mieux. Je vais le mettre au maxi. Ah dis donc, moi qui me suis cassé la tête pour trouver une idée cadeau. C'est un four qu'on aurait dû acheter. À la prochaine fois. Bon. T'as acheté autre chose? Au fait... On lui offre à l'apéritif ou au dessert? Je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais tu t'en as fait un cadeau? Ah oui, elle est magnifique. Quoi? C'est quoi? La nappe que je lui ai achetée. Je te fais confiance. Je l'ai pris blanche avec un très joli liseré de Parme. Blanc, ça va avec tout, puis Parme, ça égaye tout de suite un peu. Tu ne trouves pas? Oui. J'ai pris les serviettes qui allaient avec. Bon, c'était un peu plus cher, mais je me suis dit, une nappe sans serviette, c'est idiot, non? Tout à fait. On avait tellement marre de manger sur ces affreux sets de table. Ils dataient de maman. T'en avais pas marre, toi? Si. Ah bah, tu vois, toi aussi, hein. Bah, le problème d'une nappe, c'est que je ne suis pas sûre qu'il s'en sert tous les jours. Pourquoi? Ah, quand on est seul, tu sais, c'est plutôt plateau repas. Ah bon? Enfin, je dis ça parce que je suis comme ça. Papa, peut-être pas. J'ai fait une connerie? Mais non. Bah si, j'ai compris, j'ai fait une connerie. Mais non, je suis sûre qu'il va aimer. Sûre? Mais oui, et puis même s'il ne s'en sert pas tous les jours, je suis sûre qu'il va adorer. Tu crois? Certaine. Oh, puis je m'en fous, hein, il sera comme il voudra. Mais au moins, quand on viendra déjeuner, on mangera sur quelque chose d'agréable. Hein? Les carafes de ton père sont magnifiques. Merci. Tu vois, Caro, c'est ce qu'il nous faudrait à la maison. Tu devrais aller chiner le dimanche et en trouver des comme ça. Le dimanche, j'ai autre chose à faire qu'aller chiner des carafes en verre. C'est du cristal, Caro, du cristal. Oh, pardon. Elle n'a aucun sens du beau. Oui, j'avais remarqué. Oui, ma chérie. Ça doit valoir comme ça. Comment? Ah ben, non, là, on fête l'anniversaire de papa, mon amour. Ah ben non, beaucoup plus. C'est un vieux monsieur maintenant, tu sais. Tu veux lui faire un bisou? Ah, d'accord. Je t'embrasse. Bisous, mon amour. Bisous. C'est Léa. J'avais compris. Elle t'embrasse. Bon, je l'aurais bien passé, mais son émission commence dans 5 minutes. Kevin, son chouchou, est dans le trio final. Je m'incline devant l'audimat. C'est terrible, l'engouement des mots pour ce genre de conneries. Quelle connerie? Bah, tous ces jeux télé. Arrête de dire ça, t'es plus accro qu'elle. Je ne suis pas accro. Je m'intéresse à l'univers de ma fille, ça n'a rien à voir. Et puis je te signale que si j'étais accro, comme tu dis, je serais déjà devant la télé. Ah, vous gênez pas, vous pouvez y aller. Bon, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le côté éducatif de ce genre de programme. Mais enfin, on n'est pas des tortionnaires, hein. On va pas l'empêcher de la regarder.
Je mets les petits fours à chauffer. Non mais ça tiendra jamais avec le gigot. Hein. Oh, je vais me débrouiller. Quand je pense qu'on a une vraie cuisine et qu'on s'emmerde à faire la bouffe dans cette véranda. Bah, j'y suis pour rien. Bah, c'est quand même toi qui l'as installé là au décès de maman, non? C'est pas ma faute si c'est tombé comme ça. Ça veut dire quoi? J'avais besoin de transformer cette maison, je savais pas comment m'y prendre, alors j'ai écrit le nom des pièces sur des petits bouts de papier, j'ai tiré au sort, la cuisine est tombée sur la véranda. Non mais c'est complètement idiot. Hein. Pourquoi? Elle est très bien cette véranda. Ah, ne te plains pas, on aurait pu tomber sur les chiottes. Franchement, une fois en carafe, il y a un de ces fumets. Le fumet, c'est pour la viande. Oh, et alors? C'est un vrai cas de la cuisse, c'est tout. Oui ma chérie. Oh, mais c'est super, ça! Ouais. Oui, bisous, mon amour. Bisous. Kevin a mis son t-shirt orange pour bonheur. Ben, de quoi vous plaignez. La télé, ça lui apprendra au moins à reconnaître les couleurs. Bon, papa, je peux jeter un coup d'œil 5 minutes, hein? Elle aura l'impression que je suis un peu avec elle. Oui, mais je suis pas sûr qu'elle marche très bien. Hein. Je lui ai promis. Ben, je vais vous régler ça. C'est un vieux modèle, vous savez. Ben, pas de problème, électronique, ça me connaît. Décidément, vous avez toutes les qualités. Vous savez que ces vieilles télé, ça prend de la valeur? Ben justement, faites attention. C'est un modèle Louis XVI. Très rare. Si elle continue à la couver comme ça, cette môme, elle va finir par l'étouffer. Mais t'inquiète, elle finira bien par couper le cordon. Sauf que le jour où ça arrivera, elle n'aura plus rien à quoi se raccrocher. Bon, je mets les couverts bleus, qu'est-ce que tu en penses? Tu les as trouvés où? Au fond du placard, dans le salon. Non, je croyais qu'ils avaient disparu. Ce n'est pas parce qu'on les oublie que les choses disparaissent. Qu'est-ce que c'est? Ah, le duplex que j'ai fait visiter avant de venir ici. Très joli. On a toujours fait dans le haut de gamme, tu sais. Ouais, le prix il est aussi haut de gamme. En principe, ça va avec. Ouais, c'est bien ça le problème. Mais je suis chez mon beau-père, là, c'est pour ça. Oh non, mais c'est le cul du monde, ici. J'ai repris le secteur de Jacquemin. Ah ouais, intéressant. Mmh. Je couvre presque tout le département, maintenant. Mmh. Ah, j'ai une très jolie villa à vendre près des écluses. C'est un joli coin. Tu connais? De réputation. La propriétaire vient d'en hériter depuis peu. Mm-hmm. Comme elle vit seule, elle cherche plus petit. Si ton intention est de me la faire acheter, je te préviens tout de suite, j'ai pas les moyens. Ça fait 6 mois que je l'ai en vente. Trop grande, trop de travaux, trop isolée, trop de tout. Je te connais, t'es doué, tu finiras bien par trouver un pigeon. C'est fait. Ah bah voilà. Ah, c'est joli, hein. Ouais. Au fil des visites, j'ai fini par sympathiser avec elle. Qui ça? La propriétaire. Ah oui. Dans son bureau, posé sur le secrétaire, il y avait une vieille photo. Très jolie. D'un homme et d'une femme. Ils ont 20 ans. Ils sont assis tous les deux à la terrasse d'un restaurant parc Montsouris. C'est l'été. Elle porte une robe bleu pâle, avec un large décolleté. Sa tête est posée amoureusement sur l'épaule de l'homme. Elle sourit. Lui aussi. C'est fou ce qu'ils ont l'air heureux. Je trouve qu'il y a dans le regard des gens qui s'aiment une lumière que tu n'as pas chez les autres. Non? Tu ne trouves pas? Oui. Un jour, on est venu à parler de cette photo. D'elle, de cet homme, il était marié. Enfin, il venait juste de se marier. Il ne l'avait pas caché, mais enfin, on ne sacrifie pas à sa famille un amour de passage. Elle a beaucoup souffert, mais il n'a jamais cherché à le revoir. Elle a eu des aventures après lui, des aventures sans lendemain. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a juste gardé cette photo, peut-être pour être sûre de ne pas l'oublier. Tu veux des petits fours? Non. Ils sont chauds. Quoi? Les petits fours. Ah, oui, non, merci. Elle était vraiment très belle. Qui ça? La photo. Ah oui. Je crois que c'est la seule fois que je t'ai vu sourire comme ça.
Champagne. Je l'avais complètement oublié dans la voiture. Et je peux vous dire que vu le temps qu'il fait dehors, il est nickel niveau température. Caro, Caro, tu descends, on attaque le champagne. Tiens, Steph, t'es gentil, tu nous passes des flûtes. C'est ma réserve perso. Un petit récoltant que j'ai dégoté l'année dernière. Super bon, et puis alors pas cher du tout. Bon, c'est pas du cristal. Ça tira quand même. Oui. Léa est toute excitée. Kevin vient de chanter son solo final et je peux vous dire qu'il a déchiré grave. Même moi, j'étais sous le choc. Émotionnellement, je sais pas comment dire. Alors dis rien, les grandes émotions sont muettes. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, c'est drôle. On dirait le champagne que Sophie nous a offert. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Si, je t'assure, c'est la même bouteille. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ouais, tant mieux, ce champagne de Sophie, t'es dégueulasse. Bon, les petits fours sont chauds, savez-vous. D'ailleurs, t'aurais pas dû les mettre dans le four, ils sentent le gigot. Oh, oh bah moi, j'ai trouvé délicieux. Bah, toi, quand t'as faim, tu mangeras n'importe quoi. Oh, bah, si tu parles de tes salades de graines et de tes rôtis de soja, c'est sûr. Oh, papa, t'aurais pas des olives ou des carottes? Parce que si je vois sans manger, je vais avoir la tête qui tourne. Il y a des cacahuètes, si tu veux. Ah non, 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 surtout pas des cacahuètes, ça a l'air gêne à mort. Je préfère encore être pompette, hein. Je trouve que les bulles sont parfaites, hein. Attends, je vais prendre une cuillère pour touiller les bulles pour les enlever. Caro, un champagne sans bulles, c'est plus du champagne. C'est pas grave, j'aime pas le champagne. Tu veux autre chose? Non, non, je bois pas, c'est juste pour trinquer avec vous. Bon ben, à votre anniversaire, Paul. Bon anniversaire, papa. À vous. À toi. À l'amour. T'étais très mignonne. Ah ben je veux dire que c'était pas la vie des petits cons de ma classe, hein. Café? Je veux bien, oui. Je les avais complètement oubliés, ces albums. C'est quoi ça? Bon, il est où ton café? Dans la boîte à farine. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Normalement, à mettre de la farine. Mais j'ai pas de farine. Non, de garder toutes tes photos. Revoir les moments heureux, ça rend nostalgique. Revoir ceux qui sont tristes, ça déprime encore plus. Et si c'est ni l'un ni l'autre, quel intérêt? T'es pas d'accord? Le sucre est où? Dans le sucrier. En fait, j'ai aucun souvenir de cette période. C'est peut-être pour ça que ça me touche moins. Tu te souviens des petits cons de ta glace? C'est déjà ça. Je trouve pas. Les plus bas, dessous. Le seul vrai souvenir que j'ai, c'est celui de maman assise à son bureau collant nos photos dans ce grand album. C'est marrant, hein, c'est une image qui m'est toujours restée. C'est fou la patience qu'elle mettait à faire ça. J'ai essayé de faire la même chose avec Léa, j'ai jamais réussi. Bon, on prend le café ici, qu'est-ce que t'en penses? Oui, si tu veux. Ouais. Je trouvais que Léa me ressemblait, mais en fait, en regardant de plus près, elle a pris un peu de toi. Tu rigoles? Au même âge, c'est le portrait craché de Caro. Les lunettes en moins. Bon café pour tout le monde? On prend ici? Oui, papa préfère. C'est fou comme il y a des têtes à lunettes et puis d'autres. On ne sait pas pourquoi ils ont tout de suite une... Une tête de quoi? C'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Simplement, je trouve qu'il y a des physiques à ça et puis d'autres... D'autres. Bon, personne ne veut plus le gâteau. Non. Bah, t'es gentil, moi j'en ai plus deux fois. Elle était trop gros. Bah, si tout le monde en avait mangé, il n'aurait pas été trop gros. Il était pourtant délicieux. Tu l'as pas touché. J'ai apprécié avec les yeux. En revanche, hein, le gigot, nickel. Bravo, Steph. J'ai trouvé un peu cuit. Bah, c'est le four, hein.
Papa, la prochaine fois, on t'achètera un four. Et pourquoi? Au moins, ça te servira à quelque chose. Oui, alors pourquoi tu dis ça? Pour rien. Bon. Ils sont vraiment beaux, vos porte-couteaux. Hein. Bon, Caro. T'as tapé déjà mise, hein? Non. En fait, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Et quoi? Bah, les porte-couteaux. Arranger les couteaux. Justement, pourquoi les couteaux et pas les fourchettes? Bah, c'est vrai, ça, y a rien de prévu pour les fourchettes. Alors, on a le droit de déglacer la nappe avec sa fourchette ou pas son couteau, c'est ça? Mais on s'en fout, ici, on met pas de nappe. Bon, eh bien, on va pousser la table. Finalement, il est un peu râpeux, ce marteau, non? Vous n'avez pas trouvé? Je n'ai pas bu assez pour me forger une opinion. L'autre était mieux. L'autre? Ah, vous m'avez parlé du pommerol. C'est ça! Ah, il était bon, celui-là. C'est vrai, ça. Ils sont bons, ces pommerols. On n'est jamais déçu par un pommerol. Je les avais déjà repérés. La prochaine fois, je vous remontrerai ça. Vous aurez du mal. Pourquoi? Au précédent repérage, on a un peu épuisé le stock. Ah, merde! Pas maudit. Ah, bah, vous auriez dû en prendre plus. Ah, excusez-moi. Je ne savais pas à l'époque que ma fille avait épousé un connaisseur. Neige? T'es sûr? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est blanc et que ça tombe du ciel. Je déteste rouler sous la neige. Vous ne restez pas là? Franck a du boulot demain. Tu travailles le samedi, toi? Ah bah, quand on a des responsabilités, on travaille tous les jours. Ah. Regardez, vous n'allez pas prendre la route de nuit par ce temps. Papa, c'est un rendez-vous important, on ne peut pas faire autrement. Sucre? Non, merci, je suis au régime. Papa? Ah, deux. C'est gentil. Mmh. Très mauvais pour les artères. Je me fous de mes artères. Le sucre est responsable de 20% des maladies cardiovasculaires. Tant mieux. Papa. Mourir dans une extase de glucose, la gueule bourrée de chamallows. Oh, quel bonheur. Eh bien, quand tu seras à l'hôpital avec des drains partout, là, tu rigoleras moins. Ça tombe bien. Mais ton père a raison, c'est peut-être mieux de partir demain. Bah, et ton rendez-vous? Je peux essayer de m'arranger. On se défile devant ses responsabilités? C'est pas beau, ça. Non, mais comment je fais? Moi, je vais t'organiser pour demain, moi. Bah, pourquoi? T'avais quelque chose d'important à faire? Non, mais t'es chiant à tout changer au dernier moment. Bah, vas-y, t'as qu'à prendre le volant, te gêne pas. Ouais, bah, c'est ça, pour me planter sur la route. Ah bah, quitte à se planter, un, c'est mieux que deux. Dans un couple, faut savoir partager les risques. Si vous voulez rester, vous n'avez qu'à prendre la chambre du haut. Moi, je dormirai dans le salon. Oui, ma chérie. Eh ben, allez, on reste. Moi, j'ai balancé le dossier par mail à David, il ira sans moi. Léa, calme-toi. Léa! Léa! Mais qu'est-ce qui se passe? Kevin a perdu. Oh, tu m'as fait peur. Mais c'est très grave, papa. Pour elle, c'est très grave. Elle avait mis tout son cœur, tous ses espoirs en lui, et maintenant tout s'écroule. C'est terrible. Pour elle, c'est terrible. Bien sûr. Non, ça, c'est pas faute. J'aurais dû la mettre en garde. Sa dernière école, ça se voyait. Il n'avait pas bossé sa chorégraphie. La choré, ça pardonne pas. Ils ont sauvé Jenny. Là, forcément, Jenny, elle bosse à mort. Elle est moins douée, mais elle bosse. Pour papa, il faut absolument que je la rappelle. Je peux emprunter ton téléphone et... Voilà. Vite. Pour Jenny. Mais non, Léa! Ma pauvre était en pleurs, elle n'arrivait même plus à articuler. Mais tu veux que je lui dise un mot? Ah non, 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 surtout pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle est déjà très fragilisée et dans son état, elle a besoin d'être rassurée par quelqu'un qu'elle connaît bien. On est vraiment peu de choses. Tu m'avais pas dit que tu restais? Et tu ne me l'avais pas demandé. Je ne sais pas ce que cette femme t'a raconté, ce que tu as pu penser. Tu me passes ta petite cuillère? Ça n'a été qu'une aventure de quelques jours. Une folie, une bêtise. Je ne te demande pas de te justifier. La seule et unique fois. Tu l'as aimée? Cette femme. Tu l'as aimée? J'étais jeune, je venais juste d'épouser ta mère. Pourquoi quand on est jeune, on aime moins? Steph,
Si maman n'avait pas été enceinte de moi, tu serais restée avec elle? Pardon? Si je n'étais pas arrivée, tu serais restée avec elle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas me répondre? Mais ça n'a rien à voir avec toi. Que tu sois là ou pas, ça n'a rien changé. C'est une aventure qui a fini comme elle avait commencé, c'est tout. Et pourquoi l'as-tu quittée? Mais tu veux en venir où? Nulle part. J'aimerais simplement comprendre. Comprendre que j'aimais ta mère et que j'ai toujours aimé. Et c'est pour ça que tu l'as trompée. Mais ça n'a rien à voir. T'as raison. Ça n'a rien à voir. Je comprends pas. Tu me reproches d'avoir trompé ta mère ou d'avoir quitté cette femme. Mais je ne te reproche rien. Je voudrais juste que tu arrêtes de mentir. À qui? À toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toutes ces années, maman a été heureuse avec toi. Nous, en tout cas, on l'a été. Toi, je ne sais pas. C'est elle qui t'a mis dans la tête toutes ces conneries. Tu regrettes? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas assez bien comme père? Tu aurais préféré que je vous abandonne, ta mère et toi. Ah ben là, c'est toi qui dis des conneries. Non, ma fille rencontre une vague de liaison et me reproche d'avoir choisi la femme de ma vie, la mère de mes enfants, à une aventure sans lendemain, c'est ça? Mais t'es pas resté avec maman par amour? T'es resté par devoir? Oh, je t'interdis de dire ça. Mais avoue que ta relation avec elle était plus proche de l'amitié complaisante que de l'amour torride. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Oui, fallait pas s'y connaître pour s'en rendre compte. Oh, sur ce côté-là, t'es pas placé pour donner des leçons. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie sentimentale n'est pas une franche réussite. Et tous les guignols que t'as ramenés ici n'avaient rien de torride. Franck s'est mis en tête de raconter une histoire à Léa. Un vieux conte pour enfants qui traînait là-haut. Des mômes abandonnés dans une forêt qui finissent dans les oubliettes d'un château bouffé par les rats. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Le seul qui s'en sort, il a la jambe arrachée, l'œil crevé, et il finit empalé sur un tournebroche pendant que l'ogre découpe ses frères et sœurs en morceaux. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ouais. Mauvais père, mauvais mari, ça va ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Il est juste un petit peu énervé. Ah. J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Non, il est juste un petit peu énervé. À cause de moi? Non. Il y a histoire. Une histoire de quoi? Une femme qu'il a connue il y a longtemps et qu'il pensait avoir oubliée. Ah bon? Ouais. Tu veux dire une femme qu'il a connue avant maman? Ouais. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Ah ben ça alors. Ça t'étonne? Non, mais je savais pas que papa... Moi non plus. Mais c'était qui? Une vieille photo que je n'aurais jamais dû trouver. Ah bah tu vois comme quoi les photos c'est des conneries. Ça rappelle toujours des trucs qu'on veut pas. Bon, tu sais où sont les draps? Les draps? Oui, pour la chambre. Ah, dans ta cardio. Hein? Elle était jolie, l'ex de papa? Très. C'est ça le problème des ex. C'est toujours joli. Tu me la montreras? Oh, j'ai pas de serviette de toilette. En principe, dans la mare de la chambre, il y en a. Non, mais t'es sûre que c'est à cause de cette photo? Parce que depuis le dîner, je le sens contrarié, je voudrais pas avoir commis un impair. Mais qu'est-ce que tu vas gamberger? Ah, tu préfères pas une poète? Je crois qu'il y en a une dans la mare de la chambre. C'est bête, hein, mais... J'arrive pas à m'imaginer maman ou papa avec une autre femme. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas. L'habitude. L'habitude de l'avoir toujours vue avec maman, peut-être. La routine rend vraiment aveugle. Comme je ne pourrais pas imaginer maman avec un autre homme. Hein. T'aurais pu l'imaginer avec un autre homme, toi? Morel, c'était pas franchement une illusion. Morel? Le beau blond qui venait mercredi pendant que papa était à Paris. Bah, il venait juste prendre le thé. Disons que c'était un thé un peu corsé qui finissait à quatre pattes sur le lino de la cuisine. Non mais c'est dégueulasse ce que tu dis là. Pour maman, ça n'avait pas l'air. Mais arrête, Caro. Tu le savais aussi bien que moi. Maman était une femme formidable, formidable. T'as pas le droit de la salir comme ça. Mais bien sûr que c'était une femme formidable, qu'on a tous aimé, qu'on a tous adoré. Mais c'était une femme formidable qui avait un amant. Tais-toi. Caro. Il faudrait qu'un jour tu arrêtes de mettre des œillères.
que tu regardes le monde en face. Je le regarde. Mais je suis pas comme toi. Je ne salue pas à plaisir. Je ne salue rien. Je le vois juste tel qu'il est. Parce que tu le regardes, toi, tu passes ton temps à tout critiquer, tout rejeter. En tout cas, je ne m'accroche pas à des futilités. Je ne me noie pas dans de faux problèmes pour oublier les vrais. Je te rassure, je n'ai aucun problème. Oh non! T'as une vitreuse et un mari qui se fout de toi, c'est vrai. Qu'à part ça, tu n'as aucun problème. C'est la peur de devenir vieille fille qui te rend aigrie. C'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi. Jean-Claude, écoute-moi, Jean-Claude! Je vais être honnête avec toi, je ne savais même pas que tu avais pété ton écran d'ordinateur. T'as raison, une poète, c'est mieux. Mais c'est Fred, tu le connais. Il a dû s'empresser d'aller tout raconter à David. Mais oui, c'est un fou de merde comme c'est pas possible. Mais oui, ouais. Ben oui, c'est ça. Bon, écoute, Jean-Claude, je vais être obligé de te laisser, là, parce que j'arrive au péage. En plus, il y a les flics. Ouais, c'est ça, je te rappelle. T'aurais pas un cordon d'Alim Mac Pro? Pardon? J'ai laissé le mien à la maison, l'ordi est en rade, j'ai plus de batterie. Désolé. J'ai des responsabilités limitées, je ne travaille pas le week-end et tout est au bureau. Oh, merde. À mon avis, si tu cherches la sortie de ton péage par là, t'es mal barré. Hé, hey, tu peux demander à Caro si elle l'a pris? On sait jamais, hein. Dans la précipitation du départ, elle a peut-être eu un éclair de génie. Enfin, en même temps, faut pas rêver, hein. C'est terrible, l'informatique. Un petit cordon de rien du tout et tout est anéanti. Le monde virtuel n'est plus qu'un vulgaire bout de plastique gris. Vous trouvez pas ça désolant? Terriblement. Remarquez, vous avez de la chance. Vous n'avez pas ce genre de problème. Vous en êtes encore au téléphone à fil. Ça va mieux? Quoi? Si mes souvenirs sont bons, vous avez une fille. J'ai cru comprendre qu'elle avait un petit problème. Ah oui, Babette, chez qui elle est, a pris le relais. Bon, ben, j'ai essayé de la calmer en lui racontant un joli conte. Fiasco complet. Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Chaque fois que j'essaye de m'occuper de cette môme, ça capote. Je sais pas comment vous faisiez avec vos filles, mais moi, il y a des moments où je patauge un peu. Normal. Oh ben, je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Au début, on patauge toujours, après, on s'enlise. Ça va mieux. Non, après, on s'enlise. Ah. Paul. On ne se connaît pas beaucoup. Assez pour savoir qui on est. J'aimerais avoir votre avis. Alors, si ce n'est que ça, je vous l'écoute. Je sais que vous êtes la dernière personne à laquelle je devrais me confier, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous me comprendrez. Si vous le pensez. Oubliez quelques instants que vous êtes le père de Caro et répondez-moi franchement. Non, franchement, s'il y a une chose qui m'est difficile d'oublier, c'est d'être le père de mes filles. Je vais m'ouvrir sur le Brésil. C'est bien ça. Bah, la société va s'implanter là-bas. Et on m'a proposé de m'occuper de la filiale. Ah. Alors, si j'accepte, ça veut dire s'installer là-bas et y vivre pendant au moins 5 ans. Ah. Le problème, c'est Caro. Elle n'est pas très chaude pour partir. En fait, pour tout dire, elle refuse carrément. Les études de la petite, le climat, ses amis. Elle comprend pas que pour moi, c'est important. Un grand plus pour ma carrière. Bah, la finalité de tout ce que j'ai entrepris depuis des années. Je peux pas refuser. Vous pensez que je suis qu'un sale carriériste égoïste, c'est ça? Non. Vous pensez quoi? Je pense que vous mangez trop de gâteaux. Je sais. Vous en voulez? Hop. D'après Caro, chaque cuillerée me rapproche de l'échéance fatale. Je voudrais pas abuser. Si on écoute Caro, le monde entier n'est qu'un milieu hostile prêt à vous assassiner. Ce qui est rassurant, c'est que ça ne vous coupe pas l'appétit. Vous m'en voulez? Non, vous pouvez vous empiffrer, ça ne me gêne pas. Non, de laisser votre fille, de préférer mon avenir à ma famille. Ne la laissez pas, c'est elle qui vous laisse partir. Elles sont jolies, vos cuillères. C'est vieux, non? Stéphanie les a trouvées au fond d'un placard. Oh. Vous êtes un drôle d'homme. On a l'impression que vous refusez de jouir de la vie. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des objets magnifiques, vous n'en profitez pas. Vous avez des vins sublimes, vous ne les buvez pas.
Et vous, une femme superbe que vous ne voyez pas. Chacun ses défauts. Caro te cherche. Je crois qu'elle a besoin de toi pour bouger le lit. Quel lit? Pas celui de la chambre. Il est orienté ouest. L'orientation ouest est incompatible avec le sommeil paradoxal. T'es pas au courant? Non, mais c'est pas vrai qu'elle a remis ça! L'ampoule de la salle de bain a pété. Hein? Pas de regret? Non, rassurez-vous, à ce niveau-là, aucun. C'est un fourbi chez toi, on ne trouve rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi tous les trois ici. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de ta vie sentimentale, je ne le pensais pas. T'as complètement raison. C'est une véritable cata. N'exagère pas. Le peu d'hommes que j'ai connus ne méritent même pas le peu de souvenirs qu'ils m'ont laissés. C'est eux qui ne te méritaient pas. Oui, mais à mettre la barre trop haut, on finit par se la prendre en pleine gueule. Car Antoine, ouais, c'est pas terrible, mais ça devrait aller. Steph. Oui. C'est pas moi qui l'ai quittée, c'est elle qui est partie. Du jour au lendemain, sans un mot, sans explication. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, si ça va pas, tu peux prendre la lampe de ma chambre, j'en sers pas. Et pendant toutes ces années, tu n'as jamais eu envie de savoir? Quoi? Pourquoi je t'avais laissé? Ça aurait changé quoi? Non, je ne sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça. C'est pas ton genre de dire des choses comme ça. Tout à l'heure, j'étais un petit peu menti. Cette femme, c'est... Quoi? Enfin, c'est... Bon. Je t'ai dit qu'elle avait vendu sa villa pour acheter autre chose. Ouais. Eh bien, l'autre chose, c'est moi qui m'en occupe. Ah, et alors? Et alors, je m'étais dit que... Je lui ai proposé ta maison. Pardon? Oui, je sais. Non, mais je sais, elle n'est pas à vendre, je sais, mais... Mais... J'ai pensé que... Mais que quoi? Ben que ce serait une façon, enfin peut-être, peut-être une façon de renouer avec le passé. Que ça te ferait plaisir. Mais j'ai pensé que ce serait bien. Ben, t'as pensé, mais dis donc, avant de penser, t'aurais pu m'en parler. Je suis la première personne concernée, il me semble. C'est ce que je vais faire. Et tu as décidé ça comme ça? Tu crois que ça a été facile? Oh ben, je ne te demandais rien. Hein. Non mais t'as raison. C'est complètement stupide. Ah ça, je te le fais pas dire. Je vais annuler. Annuler quoi? Non mais attends, ne me dis pas que tu avais déjà tout organisé. Non, non mais je rêve. Et tu avais prévu cette petite confrontation pour quand? Demain. Ah, tu veux dire que demain, j'ouvrais ma porte, je me trouvais la gueule enfarinée face à elle, c'est ça? C'est pas la peine de t'énerver. Non, non, c'est pas la peine de m'énerver. J'apprends que ma fille décortique ma vie privée dans mon dos depuis 6 mois. Que ma maîtresse ressuscite après 30 ans d'absence et pour couronner le tout qu'elle vient pour acheter ma propre maison que je ne savais pas mise en vente, c'est vrai, j'ai aucune raison de m'énerver. Non mais c'est pas tout à fait ça. Ah c'est pas tout à fait ça mais ça y ressemble. Non mais papa écoute-moi. Ah ça va t'es gentil, hein. J'ai eu ma dose de surprise pour aujourd'hui. Non mais c'est pas du tout ce que tu crois. Tu te plains que je fourre mon nez dans ta vie privée, t'es mignonne, tu te laisses la mienne, tranquille. Non mais pourquoi tu compliques tout quand les choses pourraient être si simples? Ah oui c'est simple. Enfin, ma fille rencontre par hasard une vague de maison, hein, elle se dit papa est seule dans la vie, se fait chier, elle aussi si on les réunissait, c'est ça? Arrête de dire des bêtises. Hein, elle s'est cuisinée, il s'est jardiné, en plus comme ça il sera pas tout seul, ça nous évitera de venir trop souvent. Non mais c'est odieux ce que tu dis. C'est comme le cadeau de merde de ta sœur, c'est toujours ce qui vous arrange. Mais tu veux que je te dise, en plus d'être vieux, t'es con. Et voilà, c'est fait, il a installé le gâteau sur la moquette. Je lui avais dit, ne le pose pas sur le guéridon. Eh ben non, il a fallu qu'il le fasse. Résultat, ce n'est plus qu'une énorme bouse sur la moquette crème. C'est pénible, pénible. Et puis pour couronner le tout, le lit ne tient pas et je suis encore bonne pour une nuit d'insomnie pleine ouest. Bon, c'est tout ce qui te reste? Non, je crois qu'il y a une bouteille dans la salle de bain, je te la ramène si tu veux. Non, non, laisse tomber, je vais faire avec. L'entraide familiale, ça doit pas être mon truc. Ça va? Ouais. T'es sûr? Ouais. Papa? Quoi? Je peux te parler 2 minutes? Bien sûr. Stéphanie et moi, tout à l'heure, on a discuté.
qu'elle m'a dit. Papa, tu promets de ne pas mentir? Mais pourquoi je te mentirais? Tu jures de me répondre franchement? Oui. Non mais papa, c'est important, j'ai besoin de savoir. Quoi? La nappe. Tu t'en serviras. J'ai l'impression de dormir à l'intérieur d'une immense fraise tagada parfumée à l'ammoniaque. C'est dommage, parce que fraise et chocolat, au moins, ça allait bien ensemble. Ça t'arrive souvent de passer tes nuits dans la cuisine? Tu t'intéresses à mes nuits maintenant. Si demain, on te proposait d'aller à Rio, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Rio? C'est juste une supposition. Ah! Admettons que l'homme avec lequel tu es te propose de tout quitter pour aller s'installer là-bas avec lui. Tu ferais quoi? Ben, j'ai pas d'homme dans ma vie. Mais je t'ai dit que c'était une supposition. Ça dépend. De quoi? De l'homme. Hein? Ben, disons, un homme dans mon genre. Avec un homme dans ton genre, je n'irai même pas jusqu'à Roissy. À une certaine époque, tu pensais pas tout à fait ça. Comme quoi on peut se planter. Toi et moi serait jamais collé. C'était une connerie. Comme tu dis. Tu m'en veux toujours? De quoi? D'avoir préféré ta sœur. T'as rien préféré? C'est moi qui t'ai laissé et c'est elle qui t'a choisi? C'est un point de vue. Pourquoi? Il y en a un autre. T'es toujours aussi fière. Et toi, toujours aussi égoïste. On ne se refait pas. Putain de neige! Ah mais regarde-moi ça, on voit plus rien! Même le tas de bois a disparu! C'est ce que j'aime avec la neige. Les choses disparaissent et on oublie qu'elles existent. Moi, je trouve ça froid et hypocrite. Hypocrite? Cacher ce qui est laid pour nous faire croire que c'est beau. Tu trouves ça honnête, toi? C'est comme pour les gens. Il suffit de pas être dupe. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est pour moi que tu dis ça? Oh non. Toi, tu ne caches rien. Quand on te découvre, on n'est pas déçu. Le fond est bien conforme au reste. Si t'avais pris le temps de creuser un peu mieux, t'aurais peut-être changé d'avis. Peut-être. Mais il est un peu tard. T'as raison. Il est un peu tard. Je vais y aller. T'as raison. Sinon, elle va s'inquiéter. Ce serait idiot. En fait, elle se sera emmerdée, Caro, là-bas. Tu crois pas? Seule. C'est peut-être pas si mal. Bonne nuit. Pas de regret pour quoi si? Et merci. De quoi? Pour la bière. Oh, pardon. Tiens. Ah non, laisse tomber. Non, mais t'es sûr, moi j'en veux plus. La bière échauffée, ça m'a toujours écœuré. Mais d'où tu sors? À ton avis. Mais qu'est-ce que t'as été foutre dehors en pleine nuit? Prendre l'air. Non mais, avec le froid qu'il fait, t'es complètement malade. J'ai des fantômes qui me crapahutent dans la tête. Je pensais qu'un peu de frais, ça les engourdirait. Ouais, mais pour attraper la crève. Depuis ce matin, c'est pas le pire qui pourrait m'arriver. Allez, je vais te faire quelque chose de chaud. Ouais, je préférais quelque chose de fort. Cognac? Y a pas plus fort.
Ben, je peux ajouter de la vodka. C'est tout? Après, c'est l'alcool à 90. T'as raison, je suis un vieux con. Mais non, c'est normal. D'être vieux ou d'être con? Mais non, d'avoir peur. J'ai pas peur, je suis lucide. Ça n'a rien à voir. Mes souvenirs, j'ai envie de les garder pour moi, tu peux comprendre ça? Ils sont bien là où ils sont, j'ai pas envie de les badigeonner de réalité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, la réalité? Elle a 40 ans de plus et une gueule de déterré, voilà ce qu'elle a. Et tu crois qu'elle s'arrêterait à ça? Elle s'arrêtera même pas. Elle fera demi-tour. Qu'est-ce que t'en sais? Si j'étais elle, c'est ce que je ferais. C'est ridicule. Ah, voilà le mot que je cherchais. Ridicule. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ben, elle a raison, Caro. Chaque fois qu'on veut faire bien avec toi, on se plante. Ah, vous êtes comme votre mère. Vous êtes persuadée qu'en façonnant l'existence des autres, ça peut la rendre meilleure. En fait, on t'a toujours emmerdé la vie. Non, non, mais à vous obstiner à vouloir la gérer, vous allez finir par y arriver. Elle est pleine de courant d'air, ta Véranda. Tu devrais la faire isoler. Elle sait. Quoi? Que tu es ma fille. Je suis juste un agent immobilier très professionnel qui a réussi à vendre une bicoque invendable. Mmh. Mmh. Ça te rassure? C'est vrai que c'est plein de courant d'air. Si elle n'était pas partie, tu serais restée avec elle? J'en sais rien. Si tu n'en sais rien, c'est que tu y as pensé un peu. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir si je regrette? C'est vrai qu'avec ta mère, on s'est engueulé, c'est vrai qu'elle m'a bouffé la vie, mais je suis resté. Par habitude, par lâcheté, tu peux appeler ça comme tu voudras, mais je suis resté. Et je ne le regrette pas. L'amour, c'est pas ça? L'amour, c'est pas forcément ce qu'on croit. Qu'est-ce que vous faites là? La checklist des bars. Tu veux voir quelque chose? J'ai aussi du porto et d'assus, si tu veux. T'aurais pas de le chapelle. C'est affreux. Ça fait plus qu'une immense auréole au milieu de la chambre. J'aurais dû la laver à l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est bien, ça désinfecte. Bon, ça décolore, mais c'est mieux que l'Ajax. Parce que l'Ajax, on croit que ça décrasse. Mais ça fait rien. Rien du tout. Caro, tu vas pas flipper pour un bout de moquette taché. Mais je m'en fous de la moquette. C'est ce lino. Quel lino? Celui de la cuisine. Quand je suis descendue, je l'ai vu et là, ça a été plus fort que moi. Je l'ai imaginé dans son petit tablier blanc par terre. Caro! À quatre pattes. Le thé encore chaud sur la table avec ce... Calme-toi, calme-toi, Caro, calme-toi. Mais de quoi elle parle? Plus rien, plus rien. T'as raison d'avoir tout installé ici, elle est très bien cette Véranda. Oui, je sais. C'est quoi? Du cognac. Et ça? Ça, c'est de la vodka. J'en veux bien. La vodka? Non, des deux. Ah, je croyais que tu ne buvais pas d'alcool. Moi aussi, mais ce soir, j'ai décidé de m'ouvrir au monde. Ah. Tu devrais commencer par t'entrouvrir. C'est plus prudent. De cela. C'est si rare de se retrouver tous les trois. Ça fait du bien, non? Tu sais, moi aussi, ça me ferait flipper. Quoi? De revoir en photo un de mes ex. Décidément, les nouvelles vont vite. T'as eu des ex, toi? Bah oui, ça t'étonne? Bah non, je croyais juste que Franck, c'était le premier. Ah bah non, tu vois, il y en a eu d'autres. Ah bon? Bah je m'en souviens, toi. En principe, c'est pas à toi de t'en souvenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah disons que ce n'est pas parce que tu es l'aîné qu'il faut te croire obligé d'arriver en premier partout. Je comprends pas. Bah demande à Franck, il t'expliquera. Vous avez vu? Le tas de bois a complètement disparu. Il y a 2 ans, je suis tombée dessus. Le tas de bois? Non, mon ex.
Il sortait du supermarché, j'avais une immense plante verte dans les bras et lui un baril de lessive. C'était affreux. La pluie dégoulinait sur son crâne à moitié chauve. Il était bouffi par l'alcool et puait le tabac froid. Bah, normalement, j'aurais dû fuir. Bah non, je suis restée là, plantée comme une idiote. J'avais 16 ans et je ne voyais plus que le beau mec qui me faisait fantasmer à la sortie du lycée. Je suis conne, hein? Mais non, pas du tout. Bah si, je suis conne. Mais pourquoi tu dis ça? Bah parce que je suis revenue le lendemain, puis tous les jours. Puis j'ai racheté à chaque fois la même plante verte. Et j'ai attendu. Et alors? En un mois, j'avais vidé tout le stock. Ah, quand même. Et il n'est jamais revenu. C'est bête. Non. J'ai gardé les plantes et j'ai fait un beau parterre avec. Ah, comme quoi on peut être déçu par les hommes, mais jamais par la nature. On est bien tous les trois, non? Mmh. Vous rappelez quand on se retrouvait ici le soir après dîner? Mmh. On regardait la nuit tomber sur le jardin. En s'empiffrant de cake aux amandes. Ah, vous vous souvenez? Moi, je me souviens surtout du cake aux amandes. C'est vrai, je suis pas très gâteau. Mais le cake aux amandes de votre mère, c'était quelque chose. Quelque chose, oui. Chaque jour, un dessert différent. Le mercredi, c'était le jour du cake aux amandes. Je me souviens, je partais le matin à Paris et passais tout son après-midi dans la cuisine à le concocter avec amour. Ouais. Maman a toujours tout fait avec amour. Mm. Surtout le cake. Caro, ça va? Tu veux un autre? Ah. Ah non. Je veux croire qu'elle a raison et que ça suffit pour ce soir. Bah, où tu vas? Voir si le canapé du salon veut bien encore de moi. Ne me dis pas que tu as sommeil. Ressasser, c'est pas mon truc. Ah bon? Je croyais pourtant que c'était une de tes spécialités. Alors disons que je vais changer de discipline. Je t'ai piqué ta dernière bière dans le frigo. Tu m'en veux pas, hein? Tu penses encore à lui? À qui? L'homme de ton supermarché. Non, je pense au savon de Marseille. Pardon? C'est au savon de Marseille que j'aurais pu le faire. Oh, mais je t'assure, c'est formidable le savon de Marseille, dilué avec de l'eau chaude. Je suis sûre que ça marche. Mais Caro, on s'en fout. Pourquoi tu dis ça? Parce que je m'en tape de cette moquette. Elle est vieille et moche. Tu t'en tapes? Oui. J'ai passé une heure à essayer de la récurer. Ça fait immonde au milieu de la chambre et tu t'en tapes? C'est pas ce que je voulais dire. Enfin, de toute façon, tout ce que je fais, tout le monde s'en fout. Mais non. Mais si, je me crève pour que tout le monde soit heureux, pour que tout se passe bien et tout le monde s'en fout. De toute façon, on me voit pas. Mais j'existe pas. Pourquoi tu dis ça? Le résultat, t'as passé 10 ans de ta vie à jouer la boniche là, pour un mec qui ne pense qu'à une chose, se casser à l'autre bout du monde pour plus voir ta tronche. De toute façon, ta tronche, ça faisait déjà longtemps qu'il ne la voyait plus. Caro... J'en ai marre, moi, qu'on me prenne pour une conne. Arrête de dire des bêtises. C'est pas des bêtises. Ça fait 20 ans que ça dure. Hein? Petite, ma soeur me piquait mes jouets après. Elle m'a pris mes mecs. Et puis maintenant, c'est mon mec qui se barre. Alors, qu'est-ce qui me reste? Hein? Toi. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et Caro? Et Léa? Hein? Tu as oublié Léa? Elle va avoir besoin de toi. Il t'a dit pour le Brésil? Vaguement. Oh ben, si je comprends bien, je suis encore la dernière informée. Dans un couple, il n'est pas mauvais de prendre un peu de distance. Ah ben, à ce niveau-là, c'est sûr, il a fait le maximum. Dis-toi bien que c'est mieux comme ça, et puis... 5 ans, c'est vite passé. Tu l'as jamais vraiment aimé, hein? C'est lui qui ne t'a jamais vraiment aimé. Tu vas?
crois qu'il y a du savon de Marseille dans la salle de bain. Tu veux que je t'accompagne? Non. Ça me fait du bien. Puis t'as raison pour le Brésil. Oh. C'est peut-être mieux comme ça. On se voyait déjà pas beaucoup, mais là au moins on saura pourquoi. Mmh. Hein? Allez, tu veux que je te donne un coup de main? Non. Puis si j'y arrive pas, j'essuierai avec ma nappe de merde. De toute façon, tu t'en serviras pas. Jean-Claude, comme si j'allais appeler David pour un écran pété. Franchement, j'ai autre chose à faire. En plus, je vais te dire, Jean-Claude, c'est un mec à histoire. Mais oui, c'est lui qui raconte partout que Martine est cocu. Même si c'est vrai que son mec se tape Josie, ça ne se fait pas. Si, si, Josie, faut avoir faim. Je dis, il faut vraiment avoir des problèmes de cul pour se taper un ton pareil. Hein? Ben non, je dis pas ça pour toi. Pourquoi je dirais ça pour toi? Ah non, mais attends, Fred. Non, mais toi, je ne savais pas. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Non, écoute, c'est pas parce que tu l'as sauté une fois, deux... Oui, oui, et alors? Ça arrive à tout le monde de se tromper. Hein. Oui. Oui, tu peux compter sur moi. Les clés sont où? D'accord, j'y serai. Oui, je t'appelle après. Toutes les heures, j'ai vu passer toutes les heures. À 6, j'ai craqué, j'ai pris un comprimé. Moi qui prends jamais rien pour dormir, c'est l'Ouest, hein, j'en suis sûre. Je t'ai fait du thé si tu veux. Oh là là, mais quelle connerie ces comprimés, ça te fout une barre là. Pour la barre, je chercherai plutôt du côté de la vodka. Papa est pas avec toi? J'ai pas vu. Tu t'en sers là? Non, j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Il suffit de le prendre. Eh oui. T'as raison. Puis vu comme c'est parti, on n'y sera jamais pour 13 heures. Franck ne descend pas? Il a aménagé la salle de bain en standard téléphonique. Pas de sucre? Deux. C'est des petites tasses? Oui. Je sais, mais à partir de maintenant, j'ai décidé de voir grand. Excuse-moi pour hier. C'est pas grave. J'ai jamais été douée pour dire les choses. Fais du bien. C'est juste un peu dur de regarder les choses en face quand on n'est pas habitué. C'est pas trop sucré? En fait, je crois que je t'ai toujours envié. Moi? Ton indépendance, ta liberté. Tu crois qu'être seule, c'est la liberté? Non, mais je préfère encore être seule qu'avec un con. Excuse-moi, Martine, mais je vais être obligée de te laisser, là. Je rentre dans un tunnel. Oui. Et pour ce que je t'ai dit au sujet de Fred et Josie, ça reste entre nous, bien sûr. Ouais, c'est ça, on en reparlera. Ok. Je ne t'entends plus, Martine.
Non, je ne t'entends plus, Martine. Je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Oh, quelle chieuse! Non, mais qu'est-ce que tu fous, là? Ça fait une plombe que je t'attends. Excuse-moi, mon amour. Mais loin de toi, le temps me paraît si court. Et mon ordi? Il est où, mon ordi? Posé dans l'entrée. Ah, vous avez vu? C'est magnifique. La neige a tenu. Jamais j'aurais cru. Et en plus, avec cette saloperie de neige, on va encore mettre 2 heures pour rentrer. Mais ne me dis pas que vous partez maintenant. On essaye. Bon, avant de prendre la route, vous mangez bien un petit morceau. Non, mais papa. Mais ils sont tout chauds. La prochaine fois. Oui, c'est ça, la prochaine fois. Dans 6 mois, ils risquent d'être un peu rassasiés. Je le trouve pas. Au pied d'escalier. Il n'y a rien au pied d'escalier. Mais on ne voit que lui. Oh. Il est encore chaud. Si je comprends bien, les rats quittent le navire. J'ai un collègue à dépanner et un client qui m'attend. Et je fais quoi de mes croissants, moi, maintenant? Moi, je te connais. Tu trouveras bien quelqu'un avec qui les partager. Et on n'a pas eu le temps de se parler. Pour un début, c'est déjà pas mal. Bon, allez, je t'accompagne. Oh, non. Les adieux sur le perron, c'est pas mon truc. Tu vas pas partir comme une voleuse? T'inquiète. Elle ne viendra pas, j'ai tout annulé. Sans rancune. De quoi? De mon insertion dans ta vie. Steph. Oui. Tu m'as pas dit. Quoi? Elle est comment? Comme tu l'imagines. C'est quelle idée de bonne femme! Le poser en plein milieu du passage! Si tu regardais un peu où tu mets les pieds, ce serait pas arrivé. Ça va encore être ma faute! J'aurais me fiel de le laisser là où il était, au moins j'étais sûre que tu l'oubliais. Mais ben, au moins il serait entier. Et je fais comment, moi, maintenant, pour bosser avec un écran pété? Ben, t'auras qu'à demander à Jean-Claude qui t'en paye un neuf. Très drôle. Bon, papa, excuse-nous, mais on doit filer, là. Oui, j'avais compris. Ah bah ben, tiens, je vous en prie bien pour la route. Comme d'habitude, vous gênez pas. Ah, c'est sympa. Ah, Paul. Faut que je vous dise. J'ai bien réfléchi. Votre Margot, je me demande s'il n'était pas un peu bouchonné. Vous avez raison. La prochaine fois, on fêtera ça à la bière, c'est moins risqué. Oui. Ah, ma carte. Attends. Oui, est-ce que je l'ai fourré? Ah, voilà. Bon, papa, dépêche-toi, là, j'ai pas le temps, là. J'ai trouvé dans l'album de ta mère. C'était à la botte, tu te souviens, nos concours de plongeon? Ah, c'est vrai que sans les lunettes, les hâteurs ressemblent, non? Tiens. Merci. Caro! Qu'est-ce que tu fous? Tu viens ou quoi? Bon. Allez. À la prochaine. C'est ça, à la prochaine. Ouais. Ah, n'oublie pas, au croisement, c'est la deuxième à gauche. Hein, le carrefour a été modifié. Oui, oui. Merci, on s'est déjà planté à l'allée. Tu m'auras tout fait. Tout! Oh, même avec un écran pété, ça peut servir. Non, mais c'est quoi cette histoire-là? Quelle histoire? Il y a une folle dehors qui prétend qu'elle a rendez-vous pour visiter la maison. Quoi? Oui, c'est bien ce que je pensais. Bon, il va falloir que tu tires ça au clair parce qu'elle est persuadée que c'est ici. Oh, il est pénible, je les plains, les Brésiliennes. Mais tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je lui ai dit que c'était une erreur, voilà tout. Bon, je file parce que sinon il va noter tout le quartier. Et puis. Merci pour la photo. Et puis, promis, la prochaine fois, je viens avec Léa. Oui, j'arrive! Bon, écoute, j'ai pas le temps de m'occuper de la folle. Je lui dis d'appeler l'agence de chute. Ok? Non, mais Caro, attends! Mais attends! Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est votre fille, elle a insisté. On m'a donné rendez-vous à 11h, me disant que cette maison était à vendre. Il paraît que c'est une erreur. Je vous dérange. Monsieur. Oui. Votre fille m'a gentiment proposé d'appeler l'agence de chez vous. Et ils ont dû me laisser un message sur mon portable, mais comme je l'ai égaré... Excusez-moi. Vous permettez que j'appelle? Quoi? L'agence. L'agence? Ah oui, oui, l'agence. Enfin, je crois que c'est arrangé. Ah bon? Oui. La maison est bien à vendre, alors? Ben, c'est-à-dire que... Ah, c'est votre fille, elle n'est pas au courant, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je me disais bien, ça m'étonnait aussi. Ah, ouais. Stéphanie, la fille d'agence, est tellement pro. Oui. Vous la connaissez?
Un peu. Elle fait du bon boulot. Hein. Très. Ah, elle s'est occupée de la vente de la villa au décès de ma mère. Elle a été formidable. C'est une fille efficace et en plus très sympa. Vous ne trouvez pas? Oui. On est presque jumelles. On est quasiment nés le même jour. C'est drôle, non? Très. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais ça vous est complètement égal. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Mais normalement, je n'ai pas le droit de visiter son agence. Bien sûr. Elle est jolie, votre véranda. C'est une bonne idée de l'avoir transformée en cuisine. Merci. C'est agréable, cette ouverture sur le jardin. Il est magnifique. Oui. C'est un pommier là-bas? Ah non, là-bas, c'est un poirier. Ah. Le pommier, il est là. Ah oui. Et près d'entrée, là-bas, c'est un cerisier. Ah oui. Un pommier, un poirier et un cerisier. Il ne manque plus qu'un fraisier. C'est pas un arbre. Je sais, mais je vous dis ça parce que j'adore les fraises. Bien sûr. C'est une bonne idée, un fraisier. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que on ne s'est pas déjà croisé quelque part. Du café, je ne vous ai pas proposé de café. Vous voulez du café et des croissants, pardon. Vous voulez des croissants, ils sont tout chauds. Quoi? Des croissants, vous voulez des croissants? Non, non, merci, je ne suis pas très gâteau. Bien sûr. Je crois qu'il serait plus prudent de reporter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez? Je ne crois plus rien. Mais... Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. On pourrait faire une visite officieuse avant de faire une visite officielle. C'est pas un peu risqué? On peut essayer. On peut essayer. Par quoi on commence? C'est vous qui décidez. Et si on commençait par le début? Si c'est le cas, n'hésitez pas à en faire du bruit autour de vous, allez sur Billets Réduits, sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent venir sur les deux semaines qui nous restent à jouer. On voudrait remercier le metteur en scène, pardon, excusez-moi, Idriss, qui est dans la salle. Voilà, merci à Idriss. Également Thibaut à la régie. Plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous l'auteur de la pièce, Christine Rivero, qui a écrit cette très jolie pièce Chocolat Piment. Voilà.
vous laisser juste le temps de nous changer vite fait, et puis ben, on arrive. Vous saluez. Merci à tous.